bonjour à tous. Moi, je suis donc Jacques Sanchez. Je m'occupe de l'Observatoire des Pléiades avec beaucoup de d'autres personnes. Et nous sommes installés donc au balcon des étoiles. Le balcon des étoiles se trouve sur le petit village de La Trappe. Ben, nous sommes installés en fait dans ce petit village pour justement pour la vue qu'il a sur les Pyrénées, le ciel qui est relativement protégé des lumières, et donc là nous pouvons exercer l'astronomie donc entre amateurs, voilà, entre gens passionnés, mais aussi notre l'essentiel de notre activité, c'est aussi d'accueillir beaucoup de public, que ce soit des jeunes dans le cadre des écoles ou alors des moins jeunes dans les cadres de familles, etc. Donc voilà, autour du thème donc de l'astronomie que nous proposons. La naissance de l'association en fait vient d'une passion au départ de quelques personnes en fait qui sont curieux d'observation du ciel, et cette curiosité après est venue se renforcer pour qu'elle soit vraiment partagée avec le plus grand nombre de personnes. Et c'est pour ça qu'en fait rapidement il nous a paru essentiel de nous tourner vers l'organisation de soirées d'observation pour montrer en fait aux familles et aux personnes donc qui venaient nous trouver que les émotions en fait qu'on ressentait quand on observe le ciel, quoi. Et donc ça s'est bien transmis depuis maintenant on va dire 22 ans. Différentes missions sont déjà la mission on va dire qui nous anime tous, c'est effectivement la diffusion des connaissances vers les jeunes, mais aussi vers les adultes, quoi, pour inciter le maximum de gens à observer le ciel, quoi, à bien connaître notre environnement, à s'intéresser à ça, quoi. Et après, parallèlement à ça, nous avons aussi des activités plus scientifiques, on va dire, qui n'intéressent que d'une partie du personnel de chez nous, c'est-à-dire nous c'est plutôt dans l'observation des astéroïdes que nous nous sommes spécialisés. Donc en fait nous suivons les astéroïdes, nous les filmons et nous envoyons nos résultats donc à une commission scientifique qui centralise en fait ces observations là. Voilà, et on participe comme ça par nos observations, on participe dans des programmes de recherche scientifique, donc voilà. Tout ça, c'est intéressant. Et les deux conjugués, en fait, nous permettent de faire de la science, mais aussi d'être ouvert vraiment à l'accueil du public, encore une fois, pour des séances de planétarium, pour des balades de pleine lune, pour des observations du ciel, bien sûr. Et ça, tout au long de l'année, quoi. Il suffit d'aller sur notre site pour voir les différentes formules que nous proposons.